J'imagine que la garde royale est plus en faction. Ouais. En l'absence du maréchal, ils ne sont plus opérationnels. Oh. Je me demande bien ce qui se passe en ville. Nous devrions bientôt avoir des informations. Ouais, ils vont forcément en parler à la radio. Mais et nous, alors? Qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, on rejoint Amored. Et on décidera là-bas. J'ai eu un message de ma sœur. Elle va à l'Estaloum avec d'autres réfugiés. Bon, au moins Iris va bien. Ouais, mais tout le monde a peut-être pas eu cette chance. Allez, ne perdons pas de temps. Nocte ne sera pas mort éternellement. Le long voyage qui t'attend. Et sans retour. Sans retour. On y va. Salut. Contente de vous voir. C'est pas un temps à sortir, je vous le dis. Merci bien. Où est Cor? Il est parti faire un truc. Après avoir longuement parlé à papy. Ah ouais? Ouais. N'hésitez surtout pas à regarder. Allez, à bientôt. Je sais pas ce que faisaient ces objets volants, mais moi en tout cas, ils m'inquiètent. Insomnia aussi devrait s'inquiéter, vu qu'ils allaient là-bas. Oh. Oh, je comprends pas pourquoi ils nous bloquent les routes comme ça. Moi non plus. Mais vous, vous laissez pas abattre. J'avais jamais vu papy dans un état pareil auparavant. Là, il a autant d'énergie qu'un pneu crevé. Mais vous, vous laissez pas abattre. L'Empire voulait s'emparer du cristal et de l'anneau du roi depuis le début. Les pourparlers de paix n'étaient qu'un sombre prétexte. Quand je pense qu'il s'est laissé berner. Des foutaises. Ton père était pas né de la dernière pluie, c'est moi qui te le dis. Le Lucis perdait la guerre et Régis a joué ses cartes du mieux qu'il pouvait. Il a vu venir le coup à des kilomètres et il était bien décidé à se battre. Malheureusement, il avait beau être préparé au pire. Au final, ça n'a pas suffi à lui sauver la peau. Si tu veux en savoir plus, t'as qu'à aller voir Cor. Moi, j'ai assez parlé. J'ai pas vu Régis depuis des lustres, ça paraît tellement loin tout ça. Cor vous a laissé un message. Il a dit qu'il vous attendrait au tombeau royal. Vous devriez pas avoir de mal à le repérer. C'est au nord-ouest d'ici, pas loin d'un village. Essayez de le trouver d'abord. Qu'est-ce que je peux faire pour toi ? Merci, au revoir.
Dites-moi, vous avez une voiture, il me semble. Ouais. Vous pourriez aller me chercher quelques ingrédients? Attendez, pourquoi moi? Ben, c'est Sid, en fait. Sid? Il m'a dit de vous donner du travail, quel qu'il soit. Vous ne pouvez pas rentrer chez vous, si j'ai bien compris. En gros, ouais. Alors, il vous faut apprendre à connaître les environs. J'en ai pas un besoin immense, mais ça me rendrait service si vous m'en ramenez. Merci à vous. Oh, comment ça va, les gars? Vous voulez des infos sur la région? Faites votre choix. Merci à vous. Pensez à bien vous équiper. Ah ! Encore une super idée du vieux. Il nous laisse pas un instant de répit. Il s'inquiète vraiment pour nous. Il espère quoi ? Te prouver que tu peux réussir avec ces épreuves ? Je vois que t'as trouvé une drôle de machine. Quoi, ce truc-là ? On l'a récupéré après avoir éliminé des impériaux. Elle a été fabriquée à Insomnia. Je pourrais te l'améliorer un peu, la rendre bien plus puissante. En faisant quoi? Je vais te la modifier. Vous êtes sûr? Comme c'est Cindy qui s'occupe du garage, forcément, j'ai pas grand-chose à faire. Allez! Reste pas planté là! Rapporte-moi des composants! Mais où est-ce que je suis censé en trouver? Partout dans les environs. Il y a de tout par terre. Tâche de ramasser ce qui pourra encore servir. C'est exactement ce qu'il me fallait. À moi de jouer. J'espère au moins que tu sauras t'en servir. Une amélioration ? D'accord.
En cas de problème mécanique, il n'y a qu'à demander à Cindy. Ouf ! Ouh, mon pauvre dos ! Oh ! Oh. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Merci, au revoir. C'est risqué de conduire la nuit. Restons-en là. Bon, alors, je prends le volant dans ce cas-là. Comme tu voudras. En tout cas, essaie de ne pas faire de folie. Doivent contrôler les allées et venues. À votre avis, comment c'est en ville? Je sais pas. Je préfère pas imaginer. T'inquiète, on y retournera bien un jour. Sans doute. La question est de savoir quand. J'arrive pas à croire qu'on ait perdu le cristal. Ces salauds ont tout pris. Et on va tout reprendre. C'est très loin d'être fini. Femme des trucs bleus. Je couvre! À l'attaque!
Attention! Je sais pas ce qui se passe, mais j'ai du mal à viser. Il se pourrait que ce soit... Il suffit de trouver une bonne place. Tu prends encore ça ? La dernière assaut, il faut bien régler cette affaire. Pronto ! À l'attaque ! Inutile de traîner par ici. Oui. Oh. Ah, c'est pas le moment. C'est le moment de se concentrer. Ignis! On s'en sort pas si vite. Prêt pour la baston suivante. Noct, fais attention à ne pas acheter des objets inutiles. Ça va, je suis pas débile. Tu te prends pour ma mère ou quoi? Non, mais je la plains.
Vous mangez à votre faim, au moins. Beau travail. Qu'est-ce que je vous sers aujourd'hui? Passez me voir si vous avez un petit creux. Je dors debout. Le Grand Cid. Le mec au pierre. Exactement, t'as bonne mémoire. Je me suis vraiment inquiété pour toi, tu sais. Si t'as un peu de temps, passe à Galdina. Quel heureux hasard.
Aidez-moi! D'où est-ce que ça vient? Oh la vache! Quelle rapidité! Avançons. Ok. Utilise l'angle mort. J'ai compris. Oh.
Essayons de nous concentrer un peu. Oh, tu débarrasses les gants. J'ai glissé. J'ai trouvé un minéral. T'es lourd, Noct. Dirais-tu d'aller faire un tour au nord? Les tranchées de Kikatrich? C'est pas un peu risqué comme quoi? Pas si on est bien préparé. Je connais un magasin sur la route.
Et si on se reposait un peu? Soufflons un peu. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Merci, au revoir. Tiens-toi droit. Oh! Tiens-toi droit. Quand on pense que ça devait nous apporter la paix, est-ce que la guerre est inévitable? Sans doute. À quoi bon avoir préparé ce traité? Admirez nos nouveautés! Merci d'être venu chez nous! À bientôt! C'est sympa de vous revoir! Merci d'être venu chez nous! Revenez nous voir! Eureka! Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pensé à une nouvelle recette. Vivement qu'on y goûte. Oh, je comprends pas pourquoi ils nous bloquent les routes comme ça. Moi non plus. Qu'est-ce qui les attire dans la plaine? Bon. Ah, c'est encore vous. Vous voulez des infos sur la région? Ces monstres nous laissent pas une minute de tranquillité. Qu'est-ce que vous voulez manger aujourd'hui? Ça roule. Ne vous faites pas éclater la panse. Vous savez, Sid s'inquiète pour vous. Enfin, ça vous remontera le moral de manger des bonnes choses ici. Vous savez, Sid s'inquiète pour vous. Oh. Ah, vous êtes l'ami de Sid, hein? Vous avez besoin d'une info? Prenez soin de vous.
Un peu de repos.